Salut tout le monde, c'est Kira Gaming, on se retrouve sur Devilian, un jeu disponible sur Steam depuis le 10 décembre 2015. C'est un jeu free-to-play, je suis bien content de vous faire encore un jeu free-to-play sur ma chaîne. Ah bah ça va les jeux free-to-play, il y en a des pas mal je trouve en ce moment, et ça fait plutôt plaisir. Enfin ils comprennent comment ça doit fonctionner. Peut-être que si vous allez sur la page de Steam, il y a des packs à acheter, il y a 4 packs différents jusqu'à 100€ sur le jeu. Mais après vous pouvez quand même jouer au jeu, avec plaisir, sans payer. Je pense sérieusement, même après, si vous avez peut-être pas un inventaire gigantesque, parce que si vous payez des packs, vous avez de l'inventaire plus grand, gagnez de l'XP plus vite. Mais après, tout se gagne dans le jeu. Il faudra jouer plus que les autres. Au moins, il y a du mérite. Et c'est pas grave. Là, c'est du free-to-play. Et si vous aimez le jeu, bah, ça vous fait quoi de lâcher 20€ dans un jeu, s'il vous plaît? Ça coûte rien. Alors ce jeu, l'éditeur, c'est Trion Worlds. C'est ceux qu'on fait Defiance, par exemple. Mais là, c'est pas eux qu'on fait le jeu. Eux, c'est l'éditeur. Le développeur, c'est Bluehole. Gino Games, voilà, tout simplement. Alors ce Devilian, attendez, déjà, parce que là je raconte ma vie, on va se créer un perso après, tranquillement. Mais je viens juste à dire une chose, c'est un peu le même style que Diablo, sauf que là c'est plus MMO, dans le sens, c'en est un, c'est un MMO. RPG, action en ligne, massivement multijoueur, voilà, c'est ça. Et c'est beaucoup plus complet, il y a des montures, on peut monter sur des animaux. Attendez, c'est un truc de fou, Diablo, il n'y a pas ça. Après, je peux pas dire qu'il est mieux que Diablo, ça a l'air d'être différent de Diablo. Moi, j'aime mieux ça parce que ça a l'air plus communautaire avec les guildes et tout. Je pense qu'il va être très bien ce jeu. Bon, on va se faire une petite connexion. On va se créer un perso. Parce que j'ai peur de vous perdre là. Si je raconte tout sur le jeu, je suis là encore dans 3-4 minutes. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est bon, je veux voir du gameplay, je m'en fous de sa race, de ses infos pourries. Alors, il y a 4 classes dans le jeu, et c'est très dur à les dire, non, c'est Maléficieuse, je vais pas tout dire ce qu'elles font. Alors le quoi, le guerrier, Méphis, oh mais j'ai du mal à lire ça, je suis loin de mon écran, Tombre, Armageddon, ok, moi je vais prendre celui-là, un peu le guerrier quoi, le guerrier, regardez-moi ça, il enfonce l'épée dans le sol, lui il s'en bat les couilles. Alors franchement, ceux qui aiment bien le JCJ, vous allez être gâtés parce que là, vous pouvez jouer du 3 contre 3, 6 contre 6, 20 contre 20 pour montrer qui est le plus fort, quoi. Aperçu, quoi ça? D'accord, ça c'est quand t'as un mode énervé, là. Il est énervé! Pour avoir la gueule des vêtements. Ah ouais, d'accord, ça c'est quand t'es nul, après quand tu seras au top. Ok, bon, on se fait sa petite tête. Bon, ce perso, je vais pas le garder, alors je vais pas trop m'étaler, mais c'est pour vous montrer un peu les têtes différentes. La peau... Voilà, je vous montre vite fait un. Ok, ça c'est quoi ça? La tête, les cheveux. Il n'y a pas 50 000 coupes de cheveux, mais bon. C'est pas bien grave. Et on peut se mettre une petite couleur. Tatouage. Voilà, on ressemble bien à rien. On est pépère. D'accord. Aléatoire. Et les visages. Ouais, d'accord, ça met n'importe. Ok. Bon, c'est assez simple, hein, la création de personnage. Ah, on peut zoomer sur la tête. Je me disais, c'est bizarre quand même. Et graphiquement, je le trouve très joli, vous allez voir. Comment on va l'appeler? Bambi? Bambi 69. Allez, c'est parti. Déjà pris. Oh. Voilà, là où j'habite. Rio la pape. Des cadeaux. Connexion. On va faire le début tranquillement, voilà, on va pas se prendre la tête. Voilà, une petite cinématique au début. La lance du Seigneur Obscur. Et je vais en français. Lorsqu'elle transperça le cœur de notre dieu, à mesure que ses fragments tombaient, ils vicièrent la terre. Certains d'entre nous ont néanmoins su maîtriser leur pouvoir déchu, afin de devenir plus qu'humains. Et décimer le Seigneur Obscur et sa légion de diables. Après la guerre, la plupart d'entre nous disparurent, ne laissant pour héritage que de vieux contes. Mais notre monde est aujourd'hui sous la menace d'être plongé à nouveau dans le chaos. Le sorcier obscur Malek cherche à invoquer les diables primordiaux avec les éclats de la lance. Leurs gardiens se tournent désormais vers le dernier espoir de l'humanité, les héros légendaires qui ont vaincu les diables. Nous sommes... Devilian!
Ou Lily. Ah, elle a une peur de chouchou, elle, je sais pas ce qui lui arrive. Elles aiment bien leur mettre des vêtements sexy quand même. Hein. Ah, vous voilà enfin. Je m'appelle Elara, gardienne du sanctuaire de Blemlune. Malek et ses diables nous attaquent. Ils veulent la pierre de Chaos. On a besoin de votre aide. Ok, bah, va demander mon aide. Par contre, les boutons, ils sont pas réglés. Comme ça, on va voir ensemble que je vais régler les boutons. Options. Alors, ce qui est bien, voilà, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est peut-être un jeu free-to-play, mais il est tout en français, les voix en français. Au niveau des graphismes, je trouve qu'il est très très beau. Vous pouvez tout régler. Je sais même pas si je suis à fond. Je crois que je suis à fond. Ouais, je suis à fond de partout. Voilà, le jeu est à fond. Au max. Peut-être l'anti-crénelage qui est pas au max. Voilà, bon, on peut mettre un peu plus net, je crois. Je sais pas si le fixe ça ou les... Bon, on s'en fout. On s'en fout. Moi, je vous ai tout montré. Les commandes, déplacement. Déplacement. Ça, c'est bon. Menu. Menu, c'est où que je veux changer? Raccourci, voilà, c'est là. Je vais mettre comme dans Diablo, comme je mettais. Voilà. Appliquer, c'est pour changer la barre des tâches en fait. Autrement, c'est trop, je suis pas bien. Voilà, une fois qu'on est parti, ça y est. Sauf que je vais mettre ça dans les clics gauche de la souris. Et ça, c'est pas mal le A pour prendre les potions. Vous devez être le Devilian. Dont Elara m'a parlé. Ne pensions pas qu'il nous attaquerait ici. Elara et vous devez atteindre l'intérieur du Sanctum et protéger la pierre de Chaos. Je ne crois pas pouvoir aller plus loin. Ah, je vous en prie. Protégez Elara. Ok, c'est parti. Alors aussi, ce que j'ai... Je pense, attention, parce que là, j'ai pas joué du tout au jeu. J'ai essayé de chercher vite fait 2-3 informations pour pas trop raconter de la merde. Là, peut-être que je vais dire de la merde, je précise. C'est un jeu... C'est un serveur, d'accord? C'est un MMO. On va croiser plein d'autres joueurs. Il n'y a pas besoin de rejoindre un serveur. Il y a un serveur pour tout le monde, ok? C'est-à-dire qu'on va croiser plein de monde. Sauf qu'il n'est pas dans votre groupe. Et on peut faire un groupe à 4. Comme Diablo. Je sais pas si c'est plus, mais déjà, je crois savoir que c'est 4. Et ça, je trouve ça magnifique. De croiser des autres gens et tout. Putain, mais, oh, mais moi, j'adore. Hein. Réellement, ce jeu, je pense que je vais peut-être y jouer pas mal. Je sais pas si ça sera en vidéo, mais... Bah, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça en vidéo ou pas. Normalement, je vais tester sûrement avec Paradox. Je vais sûrement une petite vidéo avec lui. Je me créerai un vrai perso. Je ferai quelque chose d'un peu plus potable. Triompher de Jarken. Ah, il y a un bouton. Je sais plus c'est quel bouton. Oh là là, il m'a défoncé. Là, je suis passé niveau 2. Enfin, niveau 3. Là, j'ai ce nouveau pouvoir. Il défonce. Là, il y a la boutique. Chargement de la boutique. Alors, on va regarder ça ensemble, hein. On regarde un peu tout, c'est ça le but. Bon, l'argent, je sais pas du tout ce que ça représente. Ah bah regardez les packs, il y a des packs là. Par contre, c'est quoi? Ah d'accord, c'est l'argent qu'ils nous donnent. Ok. Des caisses, apparence. Des montures des familiers. Les fonctionnalités, il y a pas grand chose. Bah franchement, je sais pas trop quoi vous montrer parce qu'il y a pas grand chose. Qu'est-ce que vous en pensez graphiquement? Je le trouve joli. Alors l'inventaire. Elara, heureux de vous voir sauve. On n'a pas besoin de vous, Devilian. Les chevaliers. What? Aidez-moi!
Devilian, vous m'entendez? Je regrette d'avoir baissé ma garde. Ok, c'est super. Trop tard, ouais, c'est trop tard, ouais, c'est trop tard. Je voulais voir un truc. Bon, il y a les boutons, hein, les raccourcis, c'est juste que moi, je sais pas trop. Là, il y a le personnage. Donc les trucs, voilà, comme d'habitude, hein, tout ce qu'il y a à faire, hein, je vais pas aller dans les détails. En plus, j'y connais pas grand-chose. Et là, il y a notre inventaire. Et là, c'est pas mal, c'est vraiment simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 12 pour comprendre. Enfin, au début, peut-être qu'après, par la suite, ça va se compliquer. Mais là, on voit tout de suite comparaison des compétences. On voit tout à gauche, plate d'entraînement, c'est ce qui est équipé. Et plate sobre, c'est ce que j'ai dans mon inventaire. Et on voit vie max plus 5, défense magique plus 1. Et on comprend tout de suite, il y a du vert partout. C'est que c'est mieux. Simplement, voilà, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Regardez, il y a des événements, boss portel. Je sais pas combien on peut être à l'écran et tout, mais ça c'est des questions sans réponse que j'ai pas trouvé sur internet comme ça en cherchant un petit peu sur le site combien on pouvait être. Mais vu que c'est un serveur, si tout le monde se rassemble au même endroit, je crois qu'on peut être tous au même endroit. Hein. Bah après le PC il risque de s'éteindre, mais. Ah, des stat-attaques, je l'adore cette attaque là de ce perso. Je l'ai mis en clic droit sur la souris, je trouve ça plutôt magnifique. En plus, on vient d'arriver, on a l'impression de combattre des ennemis de malade. Ah, le fait que le jeu soit en français, c'est comme un jeu. Oh, tiens, j'en avais pas de ça. Path of Exile. Je sais pas si je le dis bien, mais Path of Exile, ce jeu, il est qu'en anglais. Il y a un patch en français qui est censé arriver un jour, mais moi, je me serais déjà mis à y jouer. Mais vu que ça soit tout en anglais, il y en a qui disent « Oh, mais c'est rien, c'est l'anglais, il y a trois mots à apprendre, c'est que dalle. » Ouais, mais il y a une histoire. Moi, j'aime bien écouter l'histoire et tout, rentrer un peu, de comprendre un peu à quoi tu joues. C'est juste pour tuer des ennemis comme un truc du cul, moi, ça m'intéresse pas. On va se faire un boss, là. Qu'est-ce qu'il a, Francis? Ah, j'ai pas parlé des barres, les deux barres qu'on voit en rouge et en orange. Celle de gauche, c'est ma vie. Et celle de droite, c'est mon sort de... C'est comme ma rage ou mon mana. Voilà, bah, c'est la rage. Après, ce serait un autre, ça peut être le mana. Ah, par exemple, le clic droit, il utilise le mana. Voilà, je suis niveau 5. Il y a que ça pour l'instant? Je comprends pas, il y a pas sans avoir des compétences. Les capacités. Capacité, c'est K. Ah, voilà, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, la vérité? Maraudeur. Ah. Enchaîne des attaques rapides et efficaces pour éliminer vos ennemis en un tour de main. Ces puissantes capacités en zone d'effet sont parfaites pour affronter des hordes d'ennemis. Encourage l'équilibre entre la capacité offensive et défensive. D'accord. C'est quoi ça? D'accord, ça c'est mes pouvoirs. Ruée. Alors, permet de charger vers l'endroit sectionné, l'épée droit devant et l'attaque les ennemis sur la trajectoire. Ok, c'est ce que je viens de débloquer. Ça sera niveau combien ça? On a vite débloqué des... En quelques minutes là, j'ai déjà trois... Pas la première attaque de base, mais déjà deux pouvoirs débloqués. C'est quoi ça? Vous permet de bondir en l'air et de marteler le sol. D'accord. Ah bah regardez. Ah mais c'est magnifique ça. Tu peux voir les attaques, comment c'est fait. Ah non, ça c'est par rapport à Maraudeur, ce que ça peut faire. Tu vois la classe que ça pourrait devenir. J'ai pas calculé. Ok. Ça c'est tu dois éclater un... Bah il dit un... Oh mais beaucoup d'ennemis là, j'ai quand même éclaté pas mal d'ennemis là, dans cette vidéo. Et là. Ok, vous devez pas voir grand chose. Bon, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Bah, c'est super. C'est quoi ça? Stimulant de récompense de donjon. XP plus 50. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est quand on rencontre d'autres personnes. Là, je sais que c'est un peu le tuto. On est tout seul au début. Bah
c'est vrai que je donne pas beaucoup d'informations sur le jeu parce que je sais pas grand chose, c'est juste qu'il y a quelques classes différentes. JCJ, il y a des guildes. C'est tout un système comme un MMO à la World of Warcraft en fait. C'est beaucoup plus poussé que dans un Diablo. En plus, le fait de pouvoir avoir des montures, ça donne un autre sens encore au jeu. Ah ouais, d'accord, c'est ça, c'était porté sur les ennemis. Ça donne une autre dimension, voilà, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Ok. Ah d'accord, je me dis, putain, faut que j'aille où? Je connais le chemin, c'est super. Oh là là! Est-ce que j'aime bien la rage? Elle monte vite quand même. Hein. Je crois que ça monte 10 par 10 à chaque fois que j'attaque quelqu'un. Regardez, 48. Non, même 20 presque. Ouais, je sais pas compter. Ouais, presque 15 ou 20. Ou 10. J'ai pas trop fait attention, je comprends. Hein. J'ai tout ramassé? Ouais. Ouais, 15-16. Allez, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et oui, et tout en bas, j'en ai pas parlé, mais la barre qui est tout en bas, c'est l'XP. Par exemple, il me faut combien? Il me faut 5000. Non, 1000. 1500. Putain, la barre, elle est vraiment tout petite, hein. Ouais, j'ai 660. Après, je vais regarder quelque chose dans les options. On est vraiment là pour découvrir un petit peu ce que le jeu a nous proposé. Je voulais voir. Options. Il y a des trucs qu'on peut cocher et tout. Si on peut agrandir le HUD. Le menu. Non, ça c'est paramètres vidéo. Tous les sons 15, d'accord. Activer le son du jeu en arrière-plan. Ouais, mais je sais pas. Ça doit être possible, hein. C'est moi qui. D'accord, on voit les quêtes là. Ah, tu peux les ranger, c'est bien. On peut zoomer vachement aussi, hein. C'est vrai que c'est. Bah, tu vois plus rien, mais. Ouais, je pourrais zoomer un tout petit peu plus pour jouer là. Est-ce qu'il y a des trucs un peu mieux? Ah oui, ah oui, oui, oui. Je m'en occupe, attends. Et moi, je suis plus personne? En plus, ce qui est bien, si tu te fais pas attaquer, la vie, elle remonte toute seule. Tranquille. Allez, ouvre-moi la porte, voilà, ouais. Comme un Zdandine, c'est... Je vais me farcir un boss. Ça va piquer. Oh là là, il a un bouclier, d'accord. Oh là là! Franchement, dites-moi un autre jeu qui est mieux que celui-là. Un autre jeu en français et tout, qui a l'air d'être complet. Parce que s'il y en a d'autres, moi j'aimerais bien tester. Moi je pense pas qu'il y en ait, personnellement. Dites-moi pas Diablo, hein. Diablo je l'ai, je connais, je parle d'un jeu free-to-play, hein.
Allez, hop là, meurs, petite crotte. Niveau 6. D'accord, il est... D'accord, il y a des succès, comme dans les trophées, on peut appeler ça comme vous voulez. Niveau 50. Et il y a 50 niveaux. Je vois pas plus. D'accord. Alors, je ramasse de l'or. Là, je vois que mon inventaire, il est tout petit. Faut acheter des tickets de développement d'inventaire. Ajoute 8 emplacements. Récompense de présence boutique. Alors, est-ce qu'on peut l'agrandir comme ça dans le jeu? Je pense que oui. Pas besoin d'acheter avec du vrai argent. Après, tant pis, hein, mais bon. Rien ne vous empêche de l'acheter si vous aimez bien le jeu. Voilà, une vraie IP. Je n'ai pas pu protéger la pierre du chaos, mais ce n'est pas le moment de m'apesantir sur cet échec. Nous devons agir. Ok, allez. Attaque contre sanctuaire de Blémulun. Terminé. Qu'est-ce qu'il y a à ma gueule? Le grand sage d'Enestae, mon maître, doit se trouver à la côte d'Adeline. C'est lui qui m'a parlé de vous. Et je suis sûre qu'il vous aidera à retrouver la mémoire. Je dois retourner à Asperon, dire au Lumi Gardien ce qui s'est passé. Je crois que des chevaliers recruteurs sont postés au village de Venteruisseau. Ils vous aideront aussi à prendre vos repères. D'accord. Franchement, pour Stack and Slash, moi je le trouve magnifique. Moi j'adore. Vous me direz si je vous ai fait découvrir le jeu, si vous connaissez, si vous tente. Est-ce que... J'aime bien savoir un peu votre avis. Là, je crois qu'on va se retrouver dans le village. Là où vraiment on va ressentir, je crois, tout ce système de MMO qu'il n'y a pas dans Diablo, par exemple. Ce monde ouvert. Allez, alors, est-ce qu'il y a des gens? Déjà, là, il y a un joueur ici. Il y a un autre joueur là. J'en fais déjà deux. J'en fais trois. Et il y a trois joueurs. Recommandation de groupe. Appuie ici pour envoyer des invitations de groupe aux joueurs similaires dans la zone. Alors, on peut être combien? D'accord, ça, c'est tous les joueurs qui sont dans la zone. Je vais essayer de voir s'il y en a qui veut venir dans le groupe. Il y avait qui, là, comme mec? Toreros. Ok, il y a lui aussi. Demander à tous les groupes. Invitation de groupe. Je viens d'annuler un. Quel con, sérieux. Là, j'ai fait refuser votre invitation. J'ai demandé à tous les groupes. Aradé, groupe. Ils sont 4 là, par exemple. Accepter la demande d'amis. Ouais. Je sais pas trop ce que je viens de faire. Vous avez accepté une offre d'amitié. Excusez-moi. C'est de comprendre un petit peu là, l'histoire de groupe. Est invité à intégrer votre groupe. À refuser. Ok, bon, ils refusent tous. Mais ce que je vois là, on peut être 4. Voilà, bah ça doit être ça. Ça doit être ça le système. Je vais juste visiter un peu. Là, il y a des montures ici. Puis-je vous aider ? Espérons faire la promesse. De protéger ce villageois, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord, nous on est là. Ah, ça doit être vraiment des... Ah oui, oulala. Ah, c'est pas comme dans Diablo, on va prendre un portail tout de suite pour aller dans un autre monde. Là, il y a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a vraiment des ennemis juste à côté sans qu'on aille, qu'on charge la map. C'est toujours plus simple de perdre quelque chose que de le retrouver. D'accord, là, il y a l'entrepôt. Si vous voulez entreposer quelque chose, venez nous voir. Ah, c'est quoi ça? Contenu, ticket d'entrepôt à distance. Utiliser une bénédiction de... Ah, c'est quoi ça? Je vais l'appeler... C'est pas moi. Je vais l'appeler Mito. Voilà. J'ai Mito avec moi. Elle fait quoi, Mito?
Après l'invocation du familier, bénédiction de Nimpa, lancée sur la vie des propriétaires du familier, descend en dessous de 30%. Bénédiction de Nimpa, vie plus 3% par seconde pendant 10 secondes. Temps de recharge 5 minutes. Ok. Objet de communication. Ah oui, d'accord, ça c'est pour si tu veux parler à tout le monde, mégaphone. Ah, d'accord. Ok, comment je vends mon matériel? Par moi, je veux vendre des trucs. Et c'est quoi? Et quoi comme potion? Matériaux d'artisanat, de potions de vie, de personnages. Le nombre de lames nécessaires varie. Putain, c'est quoi tout ça? Échange possible. Voilà, je vous montre ce qu'il y a dedans. Moi, je comprends rien. C'est super. Ah, j'adore mon métier. Viens, je te vends mes armes. Voilà, t'as quoi comme produit? Ah, t'as que de la merde chez toi, mon pote. Ah non, vie max plus 130... Ah, d'accord. C'est deux pièces. Ah, là, c'est pas mal parce qu'il propose quand même des choses. Peut-être pas fantastique parce qu'une fois qu'on sera à ce niveau, ça sert à rien parce que c'est niveau 18. Moi, je suis niveau... Ah non, niveau requis, c'est 15. D'accord? Moi, je suis niveau 5. Ou niveau 6, je sais plus. On voit où son niveau? Ah, je suis perdu. Ouais, bon. Mais déjà, au moins, il propose du matériel. Ramenez plus d'argent la prochaine fois. Ouais, bah, je verrai. Je n'ai pas la journée. Adieu. Regardez, encore quelqu'un. On croise du monde tout le temps. Si je regarde là, il doit... Ouais, on est pas mal. On est 11 là. C'est quoi ça? Ah, le mec radé ce qu'il fait. Bodyguard 3. Il doit faire le truc qu'il y avait déjà sur Diablo. Il lance 4 fois le jeu. C'est-à-dire il XP plus vite. Franchement, je sais pas si c'est ça. Hein. Mais si c'est ça, je vois réellement pas l'utilité de le faire. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Oh, regardez son familier, comme il est trop classe. On va prendre la quête. Je suis Erika, des chevaliers de Valin. Étiez-vous ici pour Ykrelin? La raison de votre venue, je suis pas en mesure de vous dire. Bon, putain, regardez tout ce qu'il y a à lire. Cependant, je vais vous prouver, parce que moi, j'ai pas lu, moi, dans ma vie. Oula! D'accord. Que se passe-t-il ici? On va pas trop lire. Pourquoi vous n'allez pas d'abord? Par contre, j'ai gagné ça, là. Bah écoutez, moi, je vais m'arrêter là, pour cette vidéo, parce qu'elle fait presque 30 minutes. Et après, on va visiter un petit peu... C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Juste ça, je vais voir. Ok! Nous, on est là. On peut aller ici. Regardez tout ce qu'il y a. Ah, je pense que ça doit être très grand. D'accord, bon, on va visiter après un petit peu la map. Faire une ou deux quêtes pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ok. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que j'aurais pas trop dit de la merde. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Devilian et d'autres jeux. Et pensez à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et pour me soutenir. Allez, ciao. T'as des montures, elles sont magnifiques.